Bonjour, bonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter quelques nouveautés trouvées chez Action. J'étais contente de pouvoir en bénéficier parce que des fois, on n'est pas les premiers non plus à être livrés. Voilà, il y a beaucoup d'Action de France qui sont livrées en même temps. Mais après, il y a les mises en rayon qui ne sont pas toujours rapidos. Voilà. Je vous montre des petits tampons. Qu'on a trouvé. Je vais commencer par celui-là, une très jolie fleur. Moi, je les trouve très très beaux ces tampons. Voilà, ils sont quand même bien montés, moi je trouve. Voilà, ici vous avez l'impression. Je viendrai faire quelques petits tamponnages, voilà, à l'occasion pour vous montrer. Voilà. Alors ensuite, j'ai celui-ci. Une très jolie fleur. Voilà. Ces tampons-là, me semble-t-il que c'est 69 centimes ou 89 centimes. Peut-être 89 plutôt. Voilà. Ensuite, là, c'est derrière les couleurs sont toutes pareilles. Franchement, ils sont pas chers les tampons. Ils sont montés sur bois. Ils sont vraiment très très sympas. Alors ensuite, vous avez celui-ci. Je fais un petit peu par ordre de. Vous avez celui-ci. Moi, j'adore. Celui-là, il est super beau. Voilà. Et ça vous donne ceci. C'est très joli. Voilà. Alors pour vous donner un ordre d'idée, celui-là, par rapport à ma main, il fait comme ceci. Comme ça. C'est assez grand. Enfin, c'est assez grand. Ça rentre dans la paume de la main. Le petit, le fleur, ça vous donne ceci. D'ailleurs, je vais vous montrer les codes-barres si ça vous intéresse en même temps. Je crois qu'on peut les rechercher en code-barre. Je ne sais pas si ça fait flou. J'espère que non. Ensuite, le deuxième que je vous ai montré, c'est celui-ci. C'est ça? Celui-ci, par rapport à la main, il fait comme ça. Et son code-barre. Où es-tu, code-barre? Le code-barre, il est là. J'espère que ça va bien, bien screener. Parce qu'il est un petit peu en coin, mais non. Voilà. Et le troisième, comme tout, on en a eu quatre. Celui-ci, pareil, au niveau de la main, il fait toute la paume de la main. Et son code-barre est celui-ci. Voilà, comme ça, vous pouvez scanner avec votre téléphone et vous pouvez le commander ou le voir dans la liste des nouveautés. Voilà. Et vous avez celui-ci qui est magnifique. On en avait eu un comme ça, mais pas du tout les mêmes fleurs. Il est vraiment très très beau. Très très beau, j'adore. Vraiment très très beau, il est magnifique. Voilà, ils sont tous au même prix. Et celui-là, il est très grand. Il fait presque toute ma main. Pas la hauteur, mais la largeur. Voilà. Et derrière, ça vous donne ceci. Je vais essayer de vous le mettre dans le bon sens. Comme ça. Normalement, les tampons sont montés de telle sorte que quand vous voyez le dessin, il s'imprimera tel que vous le mettez devant vous. Voilà. C'est peut-être bête comme remarque, mais. S'il y en a qui se sont posé la question, eh ben voilà. Voilà pour ces jolis nouveaux tampons. J'espère que vous allez bien en tout cas. Ici ça va. Voilà, on a eu du beau temps, de la grisou, du grisou. Chouchou va bien. Tout le monde ça va à peu près. Voilà. Alors, je vais vous sortir ce que j'ai trouvé. On a trouvé ici. Je vais prendre ma loupe comme ça. Je vous donnerai le ticket à la fin. Je vais vous dire hein, complètement maintenant même. Je vais vous dire combien coûtait le tampon. Alors, les tampons, les tampons, les tampons.
Caché en bois, ils appellent ça 89 centimes. Voilà. Pour même pas 1 euro, vous avez un joli tampon de bois. Maintenant, alors, je vais vous montrer. Ah oui, c'est des autocollants de vitre. Ah, c'est pas tout à fait ça que je souhaitais. 69 centimes. Mais voilà, du coup, c'est pour ça que c'est un drôle de... Voilà, c'est des autocollants de vitre. Mais pourquoi pas les utiliser sur des projets. Et ouais, c'est Windows Sticker, c'est ça. Donc, voici des autocollants de pack. Donc, vous pouvez tout à fait réimprimer des dessins, des choses comme ça. Donc, je vous le montre. Ça, c'est au rayon pack. Donc, à 69 centimes. Et vous avez donc ceci. Donc, je pense que c'est des autocollants transparents. Du coup, pour coller, je ne sais pas ce que ça va donner. À réfléchir, mais voilà. Du coup, ça change mes projets. Je voulais... j'avais vu ça dans une des vidéos. Et du coup, je voulais voir ce que ça donnait. Et je trouvais que le plastique était un peu bizarre, effectivement. Parce que ce sont des autocollants de fenêtres. Voilà. Donc, du coup... Alors, ici, on a une nouvelle planche. Donc, celle-ci, je ne sais pas si au niveau du bandeau, c'est la même chose. Là, nous avons un lapin. Non, on a un lapin et là, c'était une carotte. Vous voyez, donc vous avez un bandeau comme ça et vous avez la carotte qui est de ce côté-là. Voilà, ça, c'est la planche carotte. On va dire ça comme ça. Maintenant, c'est la planche lapin avec l'œuf. Voilà. Donc, celle-ci, elle se présente comme ça. Voilà. Voilà. Ensuite, celle-ci, je crois que c'est la même. On en a pris deux, apparemment. Est-ce que c'est la même? Non. C'est pas la même parce que celle-ci, c'est le petit lapin décoré comme ça. Voilà, celui-là. Et donc, voilà ce que ça donne. Il y avait des jolis dessins. Alors, je ne sais pas si en photocopie, ça donnerait quelque chose. Il faut essayer. Voilà. Donc, je les trouve assez jolis quand même. Je les avais trouvés jolis. Et puis, vous avez celui-là. Encore un autre. Un autre bandeau. Donc à chaque fois vous avez deux planches de stickers pour 69 centimes. Voilà, donc ça c'est avec le panier. J'ai cru voir le panier, mais non, c'est pas le même. Voilà. Alors je sais pas, quelqu'un me parlait de badge de pack, mais voilà, à voir ce qu'on peut faire avec ça. Je sais pas, faut que je réfléchisse. Et voici ce que ça donne derrière. Voilà. Voilà, ensuite, celui-là, on l'a vu. Celui-ci, est-ce qu'on l'a vu? Non, on l'a pas vu celui-là, je crois pas. Non, on n'a pas vu celui-là. Comme il m'en a pris plusieurs exemplaires. Du coup, on va en ramener parce que je pense que je ne vais pas me servir de tout ça. Des fois, il me prend deux exemplaires. Voilà. Que ça donne. Voilà, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on en a d'autres? Celui-là, avec... Il y en a plein. Hein. C'est impressionnant, il y en a plein. Regardez, encore un autre, là. Il y a 5 ou 6 sortes, je ne sais pas trop. Voilà, désolé, on entend mon chien qui boit, mais vous comprendrez. Il n'y a pas de souci. Voilà, pour celle-ci. Donc ça, c'est 69 centimes, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais je le répète, s'il y en a qui prennent la vidéo en cours de route. Ou qui font des passages, voilà. Et ensuite, on a celui-ci. Oh, il y en a beaucoup, hein. Il y en a plein. Il est beau celui-là, j'aime bien. C'est peut-être mon préféré, celui-ci.
trouvais super joli le panier avec les œufs. Très, très, il est magnifique. Et puis ici, voilà, je vais vous donner le code barre si vous voulez aller voir. Alors, il est là. Je pense que c'est les mêmes. Voilà. Donc ça, ça a l'air d'être le même que celui-là. Voilà. Il m'a repris quelques planches. Ah, du coup, celui-ci, on a même pris 3. Faudra qu'on en ramène au magasin. Voilà. Eh bien, c'est parfait. C'est parfait. Merci beaucoup pour ces planches de stickers. Et puis, une belle nouveauté aussi. Donc, ça, c'est ce que je vais vous montrer. Ça va être... alors... Le puzzle 3D, c'est 3,99€. Donc, à 3,99€, vous avez un arrivage de puzzle 3D. Magnifique. Donc, moi, ça me tente de faire ça. C'est une affaire de patience, mais je trouve que c'est super sympa. Vous avez tout fourni dedans, sauf la colle. La colle, le tapis pour travailler. Et puis, les petits ustensiles de bois éventuels. Hein, je vous montre l'arrière pour que vous puissiez voir les petites choses de marquer. Faites un screen, après vous agrandissez sur votre téléphone ou votre tablette. Voilà. Et il y a un petit code barre sûrement quelque part. Il doit être derrière. Voilà, il est en bas ici. Voilà, comme ça, vous voyez tout. Vous avez tous les éléments. Voilà. Et vous avez le scan ici pour flasher le code. Ça peut être sympa, le flash code. Essaye de ne pas bouger. Voilà. Et c'est vraiment superbe. Celui-là, il est très très beau. Enfin, moi, j'en ai pris 3. Je crois qu'il n'y a que 3 exemplaires. Enfin, que 3 modèles. Vous avez celui-ci avec le globe. Trop beau. J'adore. C'est super joli. Pour 4€, pour 12€, vous avez 3 boîtes. Et de quoi vous occuper plusieurs heures. Et ce qui est bien sur ça, c'est que c'est un puzzle 3D. Je me dis que je devrais y arriver. Le faire moi-même, ça serait génial, quoi. Vraiment, ils sont très très beaux. Donc, c'est pas très épais au niveau de la hauteur. Dedans, c'est que des petites planches de bois. Hein, des planchettes de bois à monter. Et vous avez celui-ci, la roue. J'adore cette grande roue de manège. Moi, j'adore cette roue. Voilà. Donc, magnifique. Magnifique. Super joli. Voilà, donc pour 3,99€, vous avez ces de Craft & Co. Mais super sympa, hein, franchement, super, super sympa, j'adore. Voilà. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Je vous remontre vite fait le globe. Et puis, celui-là, la fleur avec le papillon, superbe. Voilà. Donc, je ne sais pas si je viendrai les monter en vidéo ou pas. Je sais pas, on verra. Je sais pas. Il y a déjà tellement de choses à faire que voilà. Eh bien, écoutez, moi j'étais très heureuse de vous présenter ces petites nouveautés. Il y a également des cahiers 30-30, mais pour l'instant on n'a pas trouvé. Donc je vais vous mettre cette petite vidéo en attendant que vous puissiez aller vous-même découvrir ces petites nouveautés dans vos actions. Voilà. Eh bien, j'espère que vous passerez une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de Zoubiscrap. En tout cas, moi, j'étais contente de venir vous retrouver. Merci énormément aux derniers nouveaux abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux et cela me fait plaisir. Et merci énormément pour tous vos commentaires que je lis avec grand plaisir et que j'ai plaisir aussi à vous répondre, même si des fois, je ne réponds pas tout de suite dans l'instant. Voilà. En tout cas, plein de Zoubiscrap et je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité.